Et c'est pas tout? Vous savez pas ce que je fais là? Eh ben, je suis en train de regarder un film sur mon portable. Eh ben oui, parce que j'ai Internet aussi. Ouais, Laurence d'Arabie, super! Bon, alors évidemment, là, on perd un peu sur les côtés. Hein, c'est-à-dire. Bon, alors là, je vois bien le chameau, mais alors. Je vois pas bien Laurence, là. Hein. Bon, c'est pas grave, non, mais attendez, c'est super Internet, c'est une fenêtre ouverte sur le monde, vous voyez? Enfin, vas-y, Stas, hein! Ah ben non, mais attends, avec ça, moi, je peux voyager dans le monde entier sans bouger de chez moi. Je peux connaître tout ce que je veux, toutes les villes du monde, les plans de métro de toutes les villes du monde. Tiens, Sao Paulo. Vous voulez le plan de métro de Sao Paulo? Ouais, ouais. Eh ben voilà, tiens, voilà, je fais ça. Voilà. Eh ben, je peux vous dire que pour aller de Avenida Bolívar à Plaza de la Libertad, il faut changer à República. Oui, un peu comme chez nous, c'est ça, oui. Et puis, c'est pas tout, je peux aussi connaître les horaires des séances de cinéma à Sao Paulo. Alors, comme en plus, c'est couplé avec un répertoire de 12 000 noms, je peux aussi voir si je connais une fille à Sao Paulo. Si oui, je compose son numéro automatiquement, et simultanément, je réserve des places pour la séance de 20 h. Enfin, ou 22 h, parce qu'il faut quand même y aller à Sao Paulo. Hein. Bon, je vais déjà voir si j'en connais, parce que sinon, ça serait con de réserver, hein. Ah, eh ben là, je vois que j'en connais pas. Eh ben oui, mais je le vois en temps réel et ça m'économise une place de ciné. Et puis j'enchaîne sur une nouvelle recherche, par exemple, copains. Ouais, alors je clique là et je vois tous les copains que j'ai dans le monde, vous voyez. Ah, eh ben là, j'en ai. Mais surtout dans la partie Paris 12e du monde. Hein. Ah, puis, c'est pas tout. Regardez ce que j'ai là. C'est un Ornaganan Alzheimer. Bon, enfin, agenda. Alors, là, j'ai tous les anniversaires, par exemple. Alors, il y a une alarme intégrée, ça sonne, et je lis, par exemple, aujourd'hui, anniversaire Cynthia. Alors, je me dis, tiens, c'est qui ça déjà, Cynthia? Eh ben, je clique sur Cynthia, il y a une petite note avec Cynthia, 24 ans, blonde, hystérique, très cochonne, aime Francis Cabrel. Et qu'est-ce que je fais? Allô Cynthia, c'est Jean-François, bon anniversaire. Oh, tu y as pensé, c'est vachement sympa. Oui, et j'ai pris de place pour le Zénith, car je sais que tu es une blonde hystérique très cochonne qui aime Francis. Allô? Allô? Bon, ben non, mais ça marche pas à tous les coups, hein, non plus. Hein. Bon, on s'en fout. Ah, ben, puis en plus, là-dedans, j'ai tout mon planning. Jusqu'en 2049. Ah ben, je peux même me marquer des trucs à faire pour quand je serai mort. Hein. Par exemple, vous voyez, regardez, là, je clique là, et tac, eh ben, j'ai tout mon planning. Eh ben, je peux vous dire qu'à partir de demain, je suis plutôt open, jusqu'en 2049, vous voyez. Ah oui, puis alors, attendez, pour les rendez-vous, c'est génial. Par exemple, tiens, je rencontre un copain. Ouais, salut Jérôme, comment ça va? Ouais, super. Toujours en train de déconner, lui. Alors, la forme, moi, super, j'ai plein de projets. Moi aussi, j'ai plein de projets. Il faut absolument qu'on en parle. Pas de problème. Et si on se voyait lundi? Alors, je clique sur nouveau rendez-vous. Voilà. Quelle heure? J'ai tous les quarts d'heure. 21h, ok. Voilà. Et jusqu'à quelle heure? Ah, ben si, il veut le savoir, pépère. Hein. 1h du matin? Du matin, du lendemain matin, tu veux dire. Attends, t'as voir. Tiens, mais qu'est-ce qu'il me fait, là? Ah, ouais, attends, non, il faut que je clique nouveau dossier. Ah oui, mais alors, Ah ben non, il veut pas le faire, ça. Ah non, ça lui plaît pas, ça, les rendez-vous à cheval sur deux jours. Bon, ben, non, et tu sais pas ce qu'on fait? On va mettre 23h59, et puis si ça dépasse, on lui dit pas, hein? Ok? Eh ben voilà, 23h59. Enregistré, et voilà. Et où est-ce que tu vas aller Tiens, c'est quoi ça? Entrée répétée. Ou mince, j'ai répété l'entrée, dis donc. Ah bah si, c'est grave, maintenant on est obligé de se voir tous les lundis à 21h jusqu'en 2049. Ah non, j'efface pas, sinon j'annule tout mon agenda, dis donc. Non, bah non, plus ça, tu sais ce qu'on fait. Si un lundi où tu peux pas, eh bah tu m'appelles. Hein? Ou tu m'envoies un fax.
Alors attention, par contre, si tu m'envoies un fax, tu me laisses bien un message sur le portable pour me confirmer que tu m'as envoyé un fax. Puis à ce moment-là, bah, moi, je t'envoie un email pour te confirmer que j'ai reçu ton message. Et toi, à ce moment-là, bah, tu me renvoies un fax. Ou non, ou moi, je te renvoie un fax pour te confirmer que je vais t'envoyer un fax. À ce moment-là, ou toi... Ou... Non ! Ou même, eh, mieux, tu passes à la maison. Hein ? Tu passes à la maison, on boit un verre tranquillement et on lit ton fax ensemble. Hein ?